Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès évoque ses problèmes de santé. Le journaliste sportif confie avoir subi une amputation du pied en janvier dernier. Cette journée du mercredi 19 avril ne fut pas de tout repos pour Pierre Ménès. Le journaliste sportif de 59 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. J'ai été poursuivi le 8 mars dernier pour 3 affaires, 2 affaires le même jour dans la boutique Nike avec 2 vendeuses et 1 affaire en novembre dernier lors du PSG Nantes pour avoir touché le sein d'une hôtesse. Si est-il d'ailleurs cette affaire qui a fait ressortir l'affaire Nike où j'avais eu un simple rappel à la loi, a-t-il résumé dans une vidéo postée ce mercredi dans son compte YouTube Pierrot le Foot. Pierre Ménès présent à son procès avec des béquilles. Pierre Ménès a également profité de sa vidéo pour donner des nouvelles de son état de santé. Le journaliste confie avoir été victime d'un AVC au printemps 2022 et a également subi une amputation du pied en janvier dernier. Il a dû alors composer avec des béquilles. Si est-il pour ça que je suis allé à ce procès avec des béquilles même si ça m'a aussi été reproché. C'était 3 jours avant la mort de ma maman. Mais je tenais personnellement à être là pour défendre mon honneur et mon innocence, explique-t-il dans sa vidéo. Pour rappel, Pierre Ménès a été hospitalisé en décembre dernier à la suite de problèmes de genoux. En 2016, le journaliste avait dû subir une double greffe du rein et du foie en raison d'une cirrhose de Nash, une maladie touchant le foie. Le journaliste sportif fait une petite mise au point vis-à-vis des médias. L'ex-consultant sportif de Canal+ a tenu à faire une petite mise au point vis-à-vis des médias qui ont annoncé sa condamnation. Je tenais à faire cette vidéo parce que la manière dont tout ça est présenté par la presse n'est pas très correcte. Je tiens d'ailleurs à remercier Yahoo qui est le seul média à avoir titré que j'étais relaxé sur 2 affaires sur 3. Les autres se contentent de dire que je suis condamné à 2 mois avec sursis pour agression sexuelle. J'avoue que 2 mois avec sursis et agression sexuelle dans la même phrase, ça me choque un petit peu, a-t-il cinglé. À lire aussi c'est la sanction minimum, surtout quand on est connu, Pierre Ménès condamné, il réagit au verdict.